dimanche matin, le 23. Encore un beau soleil. Un peu de vent, à peu près 10 minutes, mais ça ne nous pousse pas très vite. Alors, on est parti de Mont-les-Méchins. Il y a à peu près une heure. Et puis, on arrive là-bas, on aperçoit en dessous de la voile le Cap-Chat. Puis, sur la montagne, là-bas, l'éolienne, qui tout à l'heure éolait, mais là, qui auréole plus. Les touristes vont être partis, ils ont fermé la machine. Et le Cap-Chat. Et voilà. On a le DRC. Voilà. Et ma marine préférée. Qui est vêtue polairement. C'est dimanche matin, alors on écoute la messe sur cassette. Il y a quand même un bon nez de courant ici. Tu vois comme les arbres des pays se rejoignent. Elle nuit, mais elle ne produit pas. Voilà la route de l'éolienne, comme la route du Rhône. Et évidemment, l'éolienne soi-même. On peut ça. C'est assez imposant pour bien le dire. On en revient donc à l'éolienne, puis là, vous allez voir, on va voir le Cap-Chat. Chat pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a un joli. Très joli. Puis, derrière, on voit l'église de Cap-Chat. Chat. Que voilà. Ah, quel joli phare. Et le chat là-dedans? Je ne vois pas encore vraiment. Tu peux avoir un dos de chat, mais c'est peut-être comme ça. Ça peut-être ça, le chat? J'ai aussi. Il n'y en a plus en Iran, il n'y en a plus à Cap-Chat. On se demande où sont rendus les chats. Le maître abord après Dieu et Dieu vient de décider à l'unanimité que le Cap-Chat c'est un coq en chocolat. A plus l'air d'un. Le chat a l'air plus d'un coq que d'un chat. Alors on vient de le rebaptiser Cap-Coq. On se voit à l'île de Pâques. Voilà. Un petit coup d'éolienne de l'autre bord. Et voilà, qui tombe toujours pas. Philippe qui a l'air de retourner à Matane, je sais pas ce qui se passe. Pas à Matane, mais à Cap-Chat. Je sais pas ce qui se passe. Ici, on voit encore le Cap-Chat à l'autre bout. L'éolien qui tombe toujours pas. Et on est maintenant en face de Saint-Anne-des-Monts. Saint-Anne-des-Monts, il y a un beau quai. Et puis, on me dit ce que ça fait le matin. Et après ça,
Ça commence à être la Gaspésie pour vrai. Si je peux voir en dessous du VRS, comme on peut voir en dessous du VRS, les montagnes et les vagues. Devant ce lieu cet après-midi. Et puis, on file maintenant à peu près 7 nuits, 7 nuits. On approche de notre destination, comme on dit. On voit ici le Mont Saint-Pierre. Le sommet du Deltaplan. Le Mont Louis est juste à côté. On voit maintenant Nehru et puis les réservoirs qui indiquent l'entrée de la baie du Mont Louis. Oui, ça y est, tu peux y aller. Comment ça va, capitaine? Ça va très bien, on arrive là, puis il y a très bon là. On file jusqu'à 8 nuits et demie. L'étape aujourd'hui, c'était les méchants Mont-Louis. Les méchants Mont-Louis, on pensait être rendu vers 7h, puis on va être là vers 5h30. Youpi! Le paysage est vraiment très, très joli ici. Il y a un ravin, là, tout le monde ici. Pour ça, il y a Mont-Saint-Pierre. Si on peut le voir, parce que... Tu peux zoomer, hein? Ouais, ben là, il faudrait que je trouve où est le zoom. On est rendu à Mont-Louis. Là, c'est ça. Ici, je ne sais pas, mais sur la côte nord, je sais qu'ils vont t'en vendre là, ici. C'est des pêcheurs commerciaux. Alors, c'est très joli, Mont-Louis. Ouais. Ici, c'est beau. Ouais. Regarde, ta croix, elle est là. Ben, c'est pas la même, ça. Il y a des gens aussi, j'en ai vu ici, qui sautaient de là, en cerveau. Et puis, on fait le tour de la baie. Claire de lune. Et le quai. C'est la quiétude du port. Après une journée comme celle qu'on a eue, c'est bien. Je crois que ça n'a pas tellement brassé.